Nous avons expliqué nous. Et dans 184, est-ce que fusion ou bien l'opposition n'a pas soutenu le groupe 184 dans le cadre de manifestation et pour le départ de Jean-Bertrand Aristide? Et l'opposition haïtienne, quand on parle de parti politique, nous partait en dans 184. Moi, je bat là-dedans. Je bat là-dedans et moi, je songeais que je n'étais pas active politiquement par rapport à un poste que je m'étais occupé, mais je m'étais pris un mois de congé uniquement pour participer à la manifestation contre Aristide. Okay. Donc, ça veut dire que les luttes là, juste. Je crois que tout citoyen responsable doit rentrer là-dedans. Maintenant, je ne sais pas qui côté vous voulez arriver, je vais une deuxième question. Non, c'est pas côté vous voulez arriver, ça qui arrive, c'est qu'en fait, l'opposition, avec 184 sociétés civiles, etc., était dans un mouvement anti-Aristide là. Donc c'était pour jeter Aristide, pour être capable de venir avec une nouvelle vision, avec changement. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est le même mouvement de l'opposition pour demander, exiger le départ de Jovenel Moïse, mais pour arriver à quoi? Est-ce que ce n'est pas le même bagarre qui va le passer encore? Est-ce que dans l'analyse, il y a un changement de cap qui fait qu'il faut nous espérer que ce n'est pas la même situation que nous allons revivre? Et moi, je comprends. Je me dis que gagner parti politique, certainement, organisation de société civile qui était autour de tablant post-départ Jean-Bertrand Aristide et maintenant premier ministre qui pouvoir qui vient là et puis c'est pas lui-même qui était dans le pouvoir pour être capable d'orienter et mettre changement qui est nécessaire. Je dis à moi ça me dit c'est que nous-mêmes partis politiques nous dit faut tirer leçon du passé. Nous pas capable tout à répéter même ouais. Faut tirer leçon du passé et en pile monde à répéter. Faut nous mettre bout dans le système, non? Faut nous changer le système, on dit encore. Hein? Il faut on transition, la dernière transition. Mm-hmm. Mais même, je crois que nous-mêmes, comme parti politique, je parle de direction politique, là, il y a une réflexion que nous avons fait déjà entre mai, et maintenant. Nous avons travaillé sur une réflexion de manière pédagogique, c'est quoi la rupture? Et nous avons un document, et je pense que nous avons dit qu'il faut nous revisiter, que nous avons élaboré pour que nous avons plus et pour nous plus étoffer, pour nous expliquer population sacrée les ruptures là. Mm-hmm. Parce que nous avons un peu de monde qui a répété, tout le monde répète, oui, il faut qu'il y ait une rupture. Mais au fond, on va demander est-ce que le monde qui a dit qu'il y a une rupture là, il comprend que ça veut dire. Est-ce que nous tirons leçon de bataille nous menée? Parce qu'en fait, nous avons une question qui est de voler. Est-ce que une tirée leçon premièrement de bataille là, qui cible de changement a fait la donne par rapport à Jovenel là, parce que c'est presque même bah là, président là, et puis nous m'a dit d'aller. Deuxième bataille qui gagne, comment aujourd'hui solliciter ou s'attabler avec le parti de Famille Lavalas que nous-mêmes nous avons demandé à Aristide Alia. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de Famille Lavalas? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de Famille Lavalas ou bien est-ce qu'il y a un changement et de structure, qui sont voulu poser clair pour me comprendre, pour me répondre. Non, parce que Famille Lavalas sont pas si politiques, mais pas qu'à parler pour lui. Non, c'est pas pour parler pour lui. C'est-à-dire, si nous avons bataille contre Famille Lavalas, jamais été Aristide. Ça veut dire, nous avons reproché une série de bagages. Maintenant, Aristide tombé, Aristide allait, changement n'est pas arrivé. C'est une minorité, un cupide égoïste, qui saisit le pouvoir et puis prend le pouvoir contrôle, qui fait l'assiette au beurre, le pouvoir et ses avantages. Maintenant, aujourd'hui, même opposition, hein, évidemment, il y a des partis qui viennent à Tadane, il a demandé pour un président aller. Kounia, dans la même opposition, ça, il a fait alliance avec Famille Lavalas, que eux-mêmes ont demandé pour aller. D'abord, est-ce sacrivé? Est-ce que aujourd'hui, à nous remarquer que nous avons fait Famille Lavalas, nous obligé de prendre pour mettre avec nous? Ou du moins, aujourd'hui, à nous-mêmes, dans ces murs, nous avons fait une bataille inclusive de façon à ce que nous renversions Jovenel et nous-mêmes nous battons pour pouvoir. Parce que l'interverse à Aristide, nous battons pour pouvoir. Nous-mêmes. Certainement. Maintenant, moi-même, je me dis, Gary, que tout à l'heure, dans la réponse que je débat, direction politique de l'opposition qui mettait en place, ouvert pour aller vers les autres, dont Famille Lavalas. Justement. Dont Famille Lavalas, bien entendu, nous pouvons, depuis direction sortie, nous pas parler à qui. Mais c'est une démarche que nous devons faire. Maintenant,
nous allons le contraindre nous-mêmes dans la direction politique, nous allons le contraindre pour nous dire obligé de venir dans la direction politique. C'est si vous voulez. Mais c'est une démarche. Okay. Nous l'ouvrons pour ça. Mais nous ne pouvons pas le faire. Parce que nous devons comprendre que la démarche n'est pas faite. Mais nous, les neuf parties, nous pensons qu'on connaît neuf parties qui n'ont pas démarche. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a une erreur que nous faisons après le départ des Duvalier, c'est la constitution qui dit ma coupe pas là. L'autre erreur qui est faite en 2004, c'est que la valasse paladin. Nous faisons même erreur, et c'est pour ça que je dis, on nous dit, si m'a un dialogue national, puis HTK a plagal. Inévitablement. Si pour PHTK est allié, pas qu'à un dialogue national, et puis vous dites que vous voulez, c'est à y séparer, moi, vous m'a voué dans la mer. Donc c'est soit des besoins qu'on est gagné. Non, c'est pas. M'a voué. C'est pas ça, besoin qu'on est gagné. Pierre, vous m'a voué dans la mer. Vous l'avez. Vous êtes un acteur politique, vous êtes à gérer l'État, vous n'avez pas responsabilité, il y a un dialogue là, maintenant. Vous comprenez, vous dites tout à l'heure, Gary, je vais prendre un petit temps pour me répondre. Vas-y. Parce que là, vous parlez moins. Comme si nous te renvoyons, nous te voyons Jean-Bertrand Aristide aller, nous te renvoyons son président, nous voulons voyer l'autre président aller. Là, on est à l'élection. L'aller, c'est sa démocratie. Oui. On prend pouvoir, et puis on dit, il y a bon pouvoir, et c'est ça, on va y venir, on flèche comme ça. On flèche comme ça. Un bon pouvoir, en retour, ou un bon résultat. Maintenant, est-ce que des résultats? Moi-même, en tant que journaliste, je ne sais pas si vous voulez répondre. Maintenant, dans la flèche, ça, je me dis, OK, il y a bon pouvoir, même s'il est contesté, contestable, avec par rapport à nombre de monde qui m'a dans la population. Mais en retour, pas de résultats. Nous avons un pays qui est écrasé, nous avons un pays qui est méconnaissable, et nous avons un pays qui n'est pas gouverné, qui n'est pas géré. Donc si pas et pas moi même qui c'est pas Edmond Bozil ni parti politique, c'est quelqu'un qui me dit bataille ça mes amis, c'est pas bataille pas parti politique seulement lié monsieur dame qui attendait émission, nous même qui fait émission avec moi, non, son bataille de société. Haïti pas qu'à continuer sous pente ça, nous besoin des monde qui pis avisé, des monde qui connaît l'état, qui d'accord est prêt pour prendre l'état. D'accord, donc c'est ma cour même à continuer. Est-ce qu'on connaît un monde qui est le Walson Sanon? Et Walson Sanon, c'est un. Nous étions au collège dans Bozil avec. Élève nous. Ou bien s'il était professionnel. C'est pas Watson. Walson Sanon. Oui, oui. Okay. Mais on connaît le même passager. Mais il ne va jamais parler avant du tout pendant une période difficile. Moi, j'étais croisé avec lui une seule fois. En 2019. En 2019. Une seule fois. Bon, j'ai cité son nom, c'est de manière exprès. C'est-à-dire, pour qui raison citer nom? C'est lui qui tente d'enclencher les pourparlers. Oh, ok, ok. Pour arriver probablement à une négociation. Parce que c'est lui qui a rencontré la parole avec Dera, la parole à Beauplan, la parole à Jovenel, la parole avec tout le monde, il parle avec MTV, il parle avec Yuri. Est-ce que. Même une fois, l'équipe ça pas jamais rencontré l'équipe pas nous. Non. Non. Nous pas jamais entendu parler non, de ça. Non. Du tout. Non. Non. Bon. Moi-même, je n'ai pas de téléphone. Oui. Ça. La femme, tout, nous avons dit, campagne tout à l'heure, pas qu'en quel côté moi j'ai un dialogue à parler que au sein de l'opposition quand on te pose une question non mais non pas... je ne sais plus okay, d'accord, moi c'est pas question m'a posé ou dit un bagage qui existait donc Walson Sanon a rencontré depuis plusieurs mois et des rencontres qui étaient faites. André Michel t'a participé dans la rencontre. André Michel qui a attaqué Walson Sanon et aujourd'hui il était rencontré donc dans la dernière réunion qui fait même Kay et Valier Beauplan. André Michel félicite Madame Walson tellement li prend négociation à cœur. Jodia, qui s'acrivait gon bo, gon l'opposition, gon deuxième bo, gon l'autre groupe qui dans l'opposition. Ou connaît gen des moun ki pa chita avec nous, mais qui dans l'opposition tout. Qui je nous pral mette l'opposition pour nous faire un tout de façon à ce que nous dynamiser revendication et faciliter un dénouement de la crise. Ou même pas parler avec Jovenel, on dit de la crise. Ou dit, ou relate des dires de Watson Sanon que me tendait tout sous magique. Magique 9.
sous Magic 9 matin, parce que l'on observe sur toute radio. Oui, 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 oui. Donc, ou citer non et ça non, bon, ça veut dire que ça non dit un bagaille. Maintenant, je ne connais pas si effectivement André Michel t'a félicité, madame. Non, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas bonder dans le bagaille. Non, mais moi, je confirme qu'André Michel rencontre ça non comme ami tout le temps et qu'on a la caillou. Mais c'est le cadre de négociation. Moi connais que Wasson Sanon était dans le secteur démocratique et pas dans longtemps. Oui, c'est ça. Maintenant, il dit que depuis mars, il va participer dans la réunion depuis mars 2020. Oui, il va participer. Okay? Oui. Donc ça veut dire que si ou mars à octobre, ça fait beaucoup hein. Lors de structure politique même dans fusion, on pas capable. Non, on la fond, de manière permanente. De manière permanente, oui. On objet en crise de manière permanente, on pense qu'on doit chita ensemble. Maintenant, moi-même, m'a dit que je ne pas voulu rentrer dans quelle que soit famille. Mm-hmm. Politique ou famille nucléaire, moi, tout est dit, m'a pour dire, qu'a gagné des hauts et des bas, qu'a gagné des points que ou pas qu'à mettre d'accord sur des stratégies que définit et nous toutes par les mêmes gens. Moi, me dit que c'est normal. Parce que moi non dynamique côté que c'est moun qui l'adore, c'est pas bête et pas chose. Oui, oui, oui. Donc c'est normal capable gagner des moments de haut et de bas et qu'a gagner des problèmes en dans structure politique. C'est pas ça que sorcier. Ça nous pour nous mettre solide qu'on y a là, c'est que pas gagner en quelle disposition, en quel préalable pour moun parler de dialogue politique. Okay. Ça faut le clair pour tout le monde. Parce que moi nous même fait discussion politique nous même dans regroupement. C'est pas le regroupement Gary, c'est un espace. C'est un espace côté que parti politique qui a défini des unités d'action et espace ça nous relève la direction politique de l'opposition et nous mettons d'accord sur des unités d'action, jouons nos solutions pour nous sortir dans la crise là et d'accord pour que nous feuille de route que tout le monde a respecté et nous signé un accord entre nous pour nous respecter feuille de route là et puis pour nous d'accord que a gagné un gouvernement de rupture. Gouvernement de rupture ça, et, ça veut dire. C'est nous-mêmes qui avons vu Navel. C'est-à-dire, nous avons mis président, premier ministre, ministre, tout ça. Même parce que nous pourquoi là. Nous pourquoi là, puisque nous dit que la direction politique de l'opposition mettait au travail. Hier, nous réunis. Demain, nous avons réuni. Tout week-end, nous avons réuni. Nous décrétons la permanence. Nous décrétons la permanence. Non. Leadership collectif ça qui a dégagé dans mitan nous et avec des responsabilités que nous bail chaque monde des groupes pour nous avancer vers d'autres groupes de la société civile et vers d'autres organisations politiques. Direction politique c'est ça. Première tâche que nous bail tête nous là. Madame Bozil, direction politique ça. Et est-ce que le petit Dessalines et famille Lavalas? Non, il y a pas la donne puisque depuis en mai et il y a pas participé dans première démarche là. Il était invité mais pas deviné. Il n'y a pas de vini dans la première réunion. Première rencontre, c'est dans le COVID, là, nous commençons en mai. Nous avons été invités tous les deux dans la première rencontre Zoom. Il n'y a pas de vini. Et ils ont invité dans la deuxième rencontre, là encore, ils n'ont pas participé. Et puis nous continuons sans eux. Mais c'est deux parties. Mais nous constatons tout. Deux parties importantes. Hein, mais oui, bon, mes amis, mais Gary, bon, c'est pareil. Où c'est directeur Scoop? Un tel, c'est directeur de notre radio, une telle, c'est directeur. Nous n'avons pas la même approche chaque jour. Donc, même si on t'a dit que qu'ils font poule de radio, il y a un qui dit que moi-même, je ne veux pas aller dans la poule quand Gary Pepo Chalier. Est-ce que vous avez un assassinat? Non, pas du tout. Tu es d'accord avec moi? Au contraire, bon, bon exemple, je vais dire vous. Je ne suis ni ami, ni à l'image. Donc, je ne suis pas ça même. Non, c'est pour tout ça. Je te le dis, non, je ne sais même pas. C'est approche pas. En tant que moi-même, c'est professionnel, en tant que pédagogue, juste pour image, vous m'avez expliqué. Donc, ça veut dire que si. Ou tu as un groupe de monde qui dit, moi pas d'accord, pour moi, dans association de médias, c'est Gary là-dedans. Ou pas tu étais tout pour ça. Non, pas donc du maintenant, tout. Ou tu as cherché qu'on est pour qui vole le plus. Quelle raison nous gagnons? Si tu as des bagages, il faut me faire pour que tu me changer. Je vais changer parce que je suis dans une association. Ou d'accord? Oui, d'accord. Donc ça veut dire que. Mais comme professeur, tout dit, mais est-ce qu'on fait des matchs là pour qu'on ait raison? Et moi seulement garder, moi dit que j'ai une démarche de mettre ensemble qu'on fait là. Dans la démarche de mettre ensemble, que me féliciter tout. Bien sûr. Depuis c'est pas démarche pour m'avoir coup de poing, mais démarche pour moi que nous mettons ensemble, me féliciter. Moi, ouais, que Famille Lavalas, avec Front et Forum Papaye, ils font pôle politique. Donc, c'est à encourager.
Pour moi, c'est une bonne démarche, je me félicite. Ils font une bonne démarche, ils ont un pôle politique. Nous-mêmes, cette direction politique de l'opposition est un pôle politique. Non, c'est important. Vous comprenez? C'est un pôle politique que nous constituons. Et maintenant, quand je dis que nous restons ouverts, nous allons vers les autres pôles politiques. Je passe la parole à Marco, mais tout avant, je dois te demander, Mme Bouzil, et est-ce que pôle politique ça a la paix durée, premièrement, la bataille qu'on a fait pour nous renverser le pouvoir, pour nous mettre un autre gouvernement, et puis, Paul, là, est-ce qu'on a fait effort pour Paul politique, ça, Kabay, un candidat unique? Moi, je suis bien content. Honnêtement, c'est souhait pour moi. Je vous assure. C'est mon souhait, et moi, tout dit, c'est pas une discussion de fête, la fusion. Son point de vue, oui. Je prends l'engagement. Oui. Moi, je prends l'engagement de le dire, moi, c'est mon point de vue, parce que nous, pas souhaité que nous allions dans une dynamique. 1000 candidats encore, oui, j'étais là. Oui. Parce que même le peuple haïtien, moi-même, toujours dit, le peuple haïtien, il a mérité, mais il n'y a pas de trop misère. Vous avez besoin de là. Moi, je connais, oui. Mais il n'y a pas de trop misère. Il y a besoin que l'élite politique. Là. Parce que l'élite, là, il y a une définition. Jean-Price Mars dit, nous avons une vocation. Et c'est quoi que c'est un appel, m'a dit dans le scoop, et pour le côté, m'a dit, c'est pas que moi, direction fait jeudi dernier. Pas coupé tête, moi comme dit, moi-même honnêtement, messieurs de messieurs dames qui n'ont pour le politique ça, c'est un souhait que m'ta aimé que nous mettez tête nous ensemble et que nous contribuer, nous bailler le ton pour nous contribuer. Jean nous dit dans première déclaration d'engagement, première entente que nous jouons entre nous, c'est la déclaration d'engagement du 20 juillet 2020. Dans première entente, là, il y a un point qui dit. Nous prenons engagement que nous prenons contribuer pour nous réduire le nombre de partis politiques dans le pays. Oh. C'est ce qui est écrit dans ce document déjà. Nous prenons engagement pour nous travailler entre nous, pour nous faire tout ça possible pour nous garder si qu'il y a une plateforme et gagner un nombre réduit de partis politiques qui participent dans les élections. C'est un engagement qui est déjà pris. Mais maintenant, vous parlez de candidat à la présidence, c'est mon souhait que nous nous mettions d'accord. Écoute, dépoussons équipe. C'est une équipe, président ou président de la République, lycée ou serviteur, pas l'autre bagaille. Mm-hmm. Un serviteur qui, c'est une équipe. Haïti besoin d'équipe qui peut gérer. Haïti pas besoin de graines 5. Haïti besoin des gens avisés, des gens qui ont expérience, des gens qui ont formation, des gens qui sont capables de faire consensus, qui sont capables de prendre recul pour ne pas conjuguer verbe là avec je. Et puis nous dit c'est nous. C'est ça, me quoi. Très bien. Et je vais encore. Mais il faut me dire, à part suite à un message ça, que Mme Bouzil lance, moi-même, je crois que nécessaire pour me dire, les gens qui sont dans la direction politique, yo, si c'est des marches ça vous fait, ce coup, pas accompagné. Marco. Ah bon, engagement formel, nous tendez là. Formel. Nous tendez tout, oui. Tout le monde nous si tendez là. C'est une direction, oui. Ouais. Bon, ouais. Ok. Bon. Et je salue Mme Bouzil. Et bonjour, première Marco. Question à poser, où, et nous, à moins de 120 jours, ouais. De mandat, de fin mandat Jovenel Moïse là, si je comprends l'intervention là, parce qu'on dit mandat là fini. C'est pas moi qui dis, la constitution haïtienne qui dit ça. Ok. Étant à moins de 120 jours, et nous, certainement, nous avons une direction politique, mais tout le monde remarque et qui j'en conjoncture là est, qui j'en parti politique a évolué en tant que conjoncture là. Dans un moment en Haïti différent, peut-être, parce que depuis que je suis petit, je suis en Haïti, qui est bon. Parce que depuis que je suis petit, tout le temps, il y a parlé de transition. Parce que, imagine, depuis que je suis petit, il me levé, il y a Jean-Claude. Jean-Claude Duvalier allait, et il y a un levé. Aujourd'hui, il y a tout le temps de transition. Et moi, je suis toujours le temps de faire transition dans le pays. Pour être à la dernière avril, et nous avons résolu tout le problème que nous gagnons, peut-être sur le plan social, sur le plan politique, sur tout le pays qui a développé. Et nous te suivons Convergence démocratique très bien dans l'année 2000. Yo. Et en pile, mon estimé, son structure qui était bien planifiée, qui était bien organisée. Solide. Malgré tout, ça qui est arrivé, a réussi d'aller deux ans après, René Breval prend pouvoir. À moins de 120 jours, à moins de 4 mois de fin mandat, Jovenel Moïse, à quel niveau senti comme si nous préparions pour ne pas tomber dans la même santé. Parce que assez souvent, la population en goût, en pile là, dans le mourir, leader politique explique qu'il n'y a pas qu'un bagage, il va changer la ville, il y a venu à l'autre contrat, il y a pas qu'un bagage. Et puis, nous retomber dans le même bagage encore.
Et dernièrement, nous faisons un an là avec privé. Tout le monde dit transition pour faire élection, pour élection car bon, pour élection en fait, semble élection a été pis pas bon. Pis mal que tout le monde. Si nous comprenons, j'en en pile leader politique explique. Faut-il parler de ça? Merci Marco, on salue tout. Et c'est un plaisir de partager le panel là avec. Mabdou, bon, pas panel là, c'est journaliste, oui. Plateau. Moi-même, Mabdou, Marco, que l'analyse est injuste. C'est pas une question. Posez son analyse qu'on fait, ou regardez moi-même comment moi, on analyse ça. Moi-même, Mabdou, que. Et. Je ne dis même pas avant tout. Je ne l'autre pays. Je suis dans l'autre pays, côté que tout Haïtien senti yo envie vivre bien. Je suis dans l'autre pays, côté que je n'ai pas gagné éducation au rabais. Je suis dans l'autre pays, côté que moralité prend le dessus là-dedans. Je vais regarder ce qui a passé dans l'espace, l'école. Yo. Si je suis dans le professeur, directeur, si je suis dans la tête, coup de poing, et si je suis dans jeune, a fait sexe public, a filmé, c'est des barailles. Que ni pas quoi ou même manque ou t'es connu j'aime t'entendre ou t'es espéré ouais ça ou d'accord avec oui t'es donc ou pas quoi personne t'es espéré que société haïtienne t'a décrémé dans niveau ni là en 2020 et moi toujours dit que c'est pas un hasard et c'est pour ça que je toujours dit tout le monde quelque part faut nous voyer doit pousser là sous genou nous chaque responsabilité panne à qui moment de la durée m'a pas prendre responsabilité pas même si m'te doit prendre gen moun qui gen plus responsabilité que l'autre mais faut que chaque haïtien haïtienne jodi hein, qui dans 25 ans commence par réfléchir qui ça en tant que est-ce que m'gen une conscience citoyenne que moi utiliser pour permettre que me prendre responsabilité et faire face carré à toute dérive qu'a fait en société à mal gouvernance qui gen dans pays hein. Donc ceci étant dit ça que nous vivons dans le passé après convergence démocratique, la question non, c'est pour dire que, mais qui ça qui empêchait l'un de prendre l'élection, nous avons un seul candidat. Et c'est ça, nous avons parlé à Gary tout à l'heure, comment tirer le son du passé. Mm-hmm. Et c'est pour ça que nous avons intégré point ça dans le document que nous avons signé ensemble. Non. Comment tirer le son du passé pour ne pas répéter même bêtise pour que nous prenions dans l'élection et que nous toutes qui mettons nous ensemble, nous chaque candidat. Comment nous prenons un petit recul pour nous dire que moi-même, écoute, ce n'est pas inévitablement candidat à tout prix, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Mais qui gens pour me un bon candidat ou un bon candidate et que nous connaissons ça, le lila, je pas de problème, je lui inspire confiance et que le lila, je connais moins que là tout. Et que paysan c'est lui qui pral bénéficier paysan c'est pas un gouvernement que même des gouvernements parler de tout pouvoir mm-hmm. C'est pas de un pouvoir de bandit que pral gagner le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas le pouvoir législatif ne fonctionne pas le pouvoir exécutif c'est ça nous vivre c'est ça vivre Marco oui. Depuis où commencer depuis où gain 25 ans ou a regardé comment il a géré l'état ou gain trois pouvoirs c'est yo porter nos trois pouvoirs. Pas gen yon nan yon qui a capacité pour être en l'autre. Moi-même, j'étais dans le pouvoir législatif là, j'ai vécu. Pas gen aucune capacité pour yon pouvoir être en l'autre. Moi, sénateur, moi dit, m'ta remé que le ministère de l'Éducation nationale joue un rôle li pour faire que l'argent y a pris sous diaspora dans FNEA, que l'utiliser à bon escient. Moi, voulais poser ministre en question. Moi, pral l'inviter, ok, commission éducation que ma présidée a d'accord pour me faire, Marco. Mais au moment que réunion, conférence des présidents a fini, m'a sorti dans la porte là, téléphone m'a sonné. Pourquoi j'ai d'accord, commission a fait pour faire. Mais téléphone m'a sonné, madame Bozil, qui s'est mis à coup. Je dis c'est qui? C'est le ministre de l'Éducation nationale. Je dis oh. Donc, ou pas capable, gérons l'État, et m'a te dit, m'a pour dire, si nous pas d'accord que la société a mérité renouveler dans la pratique, li. Si nous pas d'accord qu'on nécessité pour nous faire une campagne massive d'éducation civique, pour tout le monde, même quel que soit le niveau monde, oui. Nous besoin faire une campagne d'éducation civique pour nous changer la mentalité monde. C'est ça, m'rele, et société renouvelée. Hein? Nous pas gagner l'autre pays, vraiment, Marco. Ou pas gagner l'autre pays, hein, si nous pas prendre engagement, je dis, que, et où est-ce que faire, mes amis? Écoute, comment pour ne pas comprendre que nous ne sommes pas capables de faire une transition là, si nous commençons à dire, ma coupe pas la donne, la valasse pas la donne, PHTK pas la donne, non? Nous disons nous-mêmes,
la direction politique de l'opposition, nous sommes ouverts d'abord entre nous de l'opposition pour nous joindre au accord de sortie de crise et nous attendons le geste, l'ultime geste de président Jovenel Moïse. Quand on dit le nombre de mois qui était nous là pour nous arriver dans le fin mandat président, nous attendons cet ultime geste du président qu'il fasse une annonce, une adresse à la nation pour dire que moi-même, je ne peux pas quitter que bon affrontement entre gang armée et population. Je ne peux pas quitter que pays et qui aujourd'hui a considéré comme un pays failli. Je ne sais pas si Jovenel Moïse m'a fait discours pour vous, Jovenel Moïse. Mm-hmm. Nous t'aimé que ou prend responsabilité ou, pour éviter un bain de sang dans le pays, ça, pour un affrontement dans le pays, ça, pendant qu'on prend le dit tête ou que j'accepte de respecter la Constitution, mon mandat arrive à terme le 7 février 2021 et je t'aimé préparer transition, je hein, t'aimé en sortie honorable, je t'aimé que et direction politique de l'opposition hein, désigner des mounes pour préparer sortie pour que nous pas la guépé dans le tchouboum. C'est mon souhait. Bon, bon, sauf que vous connaissez. C'est mon souhait. Si Jovenel Moïse a gardé là et la souris parce que dans tête pâle, le mandat a fini 7 février 2022. Donc, ça, c'est un bagaille. Mais plus préoccupation que je gagne, Mme Bozil, il n'est pas même venu dans le niveau et fait choix de un candidat. Mais c'est plutôt par rapport à l'ensemble de problèmes que nous dit que nous gagnons dans le pays. Ouais. Et nous dit problème ça yo pour nous résoudre yo faut que nous allons faire notre transition et me donne des gants pile et éléments comme thème de référence me donne yo parler de une nouvelle constitution yo parler de procès Petro-Caribé et yo parler de élections de grand paquet de bagages en donne moi après tourner avec question presque dans même angle à moins de 120 jours et qu'en est-il du gouvernement qui va remplacer Jovenel Moïse, puisque si depuis jeudi à nous pour qu'on ait nous risquer tomber sous ça de tomber en 2004 là à risquer de finaler bataille la fin faite et puis après ça et ouais nous ouais Gojera vient là et il vient diriger donc pas aucun terme de référence qui est en application ils font gouvernement de transition pendant 2 ans et puis après ça nous retomber dans même bagarre encore donc jeudi à me dire mais connais qui ça qui a fait parce que Jovenel Moïse Alia, c'est youn, mais possibilité gagne pour nous mettre un gouvernement qui est capable d'embrasser toute revendication que nous gagnons pour nous faire la dernière transition, nous sentons beaucoup là. Ou senti beaucoup là, je pense que il y a un pile travail que nous faisons dans la direction politique opposition. Je pense que nous, même si que nous mettons d'accord sur comment nous avons un gouvernement de transition, inévitablement, nous avons un gouvernement de transition, élection pas possible dans l'atmosphère ça. Et je pense que CEP bidon ça, qui normalement, avec qui rentre dans l'espace CEP avec une usurpation de titre, sans pas prêter serment par devant la Cour de cassation, yo connaît que yo ka traîné devant la justice à n'importe qui moment. Donc, ou techniquement, le cadre dermalogue là, et ou d'accord avec mon gouvernement, imaginez, dans 2 ans, ils émettent 1,6 million entre guillemets. Je dis entre guillemets, parce que je ne connais pas si vous-même comme journaliste, ou connaît que des gens qui ont 6-4 noms. Je ne sais pas si vous comptez ça. Quel monde y a 6-4? Des gens qui ont 6-4. Même des gens qui ont membre fusion. 6-4 dermalogue? 6-4 dermalogue. Membre fusion, dirigeant fusion, ils ne peuvent pas exposer ces gens-là, qui fait que son monde la caille. Ils ne peuvent pas exposer, qui fait que le pavlé, nous, photocopie 4. Nous avons utilisé politiquement, effectivement, dans l'atmosphère d'insécurité que pouvoir créer pour nous, nous pas voulons et exposer demoiselle. Mais il y a un monde qui gagne 6-4 dans 1,6 million. Imaginons que si nous avons pile monde qui gagne 6-4, par contre, vous comprenez ça, me dit, non? Ça veut dire que nous pas même gagner 1,6 million de cartes qui émettent. Donc, techniquement, politiquement, élection impossible, techniquement, élection impossible. Donc, Jovenel Moïse, rivé dans fin mandat, il n'a pas réussi à respecter l'échéance constitutionnelle. Donc, je dis, hein, en tant que politique, je suis d'accord avec vous, ou pourquoi nous baillons qui proposition. Je ne peux pas faire proposition pour me dire que nous mettons d'accord sur proposition. Mais effectivement, c'est une nécessité. Une nécessité au plus vite avant la fin de l'année. Mais quoi que avant la fin de l'année, nous pas parler des noms, mais n'a montré nation que il y a une proposition de sortie de crise acceptée par tous les acteurs, tant politiques
et que de la société civile qui d'accord, mais qui forme transition pral prend, mais qui côté n'a besoin de premier ministre. Mais qui critère cap défini pour nous capables de mettre le premier ministre en place? Mais qui critère cap défini pour nous capables de faire dialogue national? Vous pensez que c'est à feuille de route transition ou bien feuille de route direction politique là? Oh non, 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 c'est à feuille de route transition. La direction politique joue un rôle en tant que politique. Nous sommes les premiers concernés par les élections. En tant que politique, élite politique, son responsabilité qu'on gagne, une responsabilité morale qu'on gagne en tant qu'élite politique pour nous faire job ça. C'est vrai que c'est pas toutefois que on comprend. Mais qu'on aime tant mais qu'on est sinon est-ce que nous même ou même comme journaliste encore est-ce que j'en pose cette question pour demander comment politique fonctionne, comment on vive, comment on vit pression qui gagne dans situation qu'on a dit là. Toute question à poser nous là. On pas qu'à dire son pression, ils font pression sur moi. Puisque yo mandé ou a demandé il faut aller plus vite. Il ne vous reste que 4 mois, il faut aller plus vite. Moi, je crois que tous les collègues politiques captandem, tous les secteurs de la vie nationale captandem, nous prennent engagement pour nous faire retraite en fin de semaine. Et je pense que toutes ces préoccupations, les préoccupations, nous analyser déjà. Et je pense que au plus vite, nous sommes en mesure pour informer la société à qui côté, comment bac, nous prenons mener bac et transition. Mais maintenant, il est clair que, mes amis, faut que les gens qui peuvent gérer l'État aient autonomie et prennent responsabilité. Pas grand-chose qui dit que c'est un parti politique que le Premier ministre a sorti. Pas grand-chose qui dit qui genre, comment structurer pour le faire. Pourquoi nous pouvons clair sur ça, nous d'accord ensemble avant. Mais ça qui est sûr, critère, nous clair sur comment pour les gens d'ailleurs pour que les capables viennent prendre tête et pour participer dans un gouvernement de rupture. Ceci étant dit, la feuille de route est présentée déjà, que nous travaillons sur lui déjà. Les gains la donne effectivement cette révision constitutionnelle. Les gains la donne le dialogue national. Mais nous pensons que le premier bagaille qu'a fait lancer le dialogue national et ensuite aller vers la révision constitutionnelle. Et nous proposer tout que, et après, c'est après deux gros chantiers sérieux que nous sommes capables de rentrer dans l'élection générale. Qui pourra dire ce démocratique là pour c'est lui-même qui prend lead? Moi, je pense que nous sommes les directeurs, les partis politiques majeurs de ce pays, quand même. Moi, c'est que c'est écoute. Moi, je pense que c'est pas une question de poids ou pas poids. Nous sommes les partis politiques de ce pays. Nous sommes les organisations politiques qui pas ignorer que il y a d'autres forces politiques. Même nous dit, nous allons vers les autres. J'ai dit ça tout à l'heure. Mais pas seulement les structures politiques, mais nous dit que nous allons aller vers d'autres organisations de la société civile. Pendant que vous dites, vous êtes les partis politiques majeurs du pays. Et le PHTK, c'est le parti au pouvoir. Donc ça a été électé premier dans l'élection. Oui, moi d'accord. Et la paix. Mais je vous réponds déjà, oui. Je réponds déjà. Parti, je vous dis déjà, oui. Ou pas cap dit ou font dialogue national, ou pas cap dit que ou font dialogue, ou font accord politique pour la transition, pour pas prendre en compte le PHTK et ses alliés. On te dit ça ou pas là peut-être? Non, m'la oui, ou pas qu'il me fin poser question. Moi prend PHTK, mais moi commence avec elle parce que c'est parti qui au pouvoir, ça vient dans dernière élection yo, et qui est venu en première position. Et la paix de Hector Anacassis qui était gagné juste les 5 comme candidat. T'es deuxième. Petite Dessalines de Maurice Jean-Charles, t'es troisième. Famille Lavalas dans l'élection, t'es quatrième. Et Monsieur Éric Jean-Baptiste, fusion t'es sixième. Donc ça veut dire que qui ça nous fait comme si de comme si m'a prend en termes de rang. Donc à partir de dernière élection, il y a 4 ou 7 partis politiques qui étaient en tête dans l'élection. Et puis, il n'y a pas de direction politique là, est-ce que ça n'a pas traduit au manque de légitimité pour nous porter un bail comme ça? Marco, comme ça, m'abdi dans le pays d'Haïti. M'abdi dans le pays d'Haïti, indicateur ça, il n'est pas valable. Je ne sais pas si c'est valable dans notre pays. Il est valable dans notre pays, mais pas là quand même. Indicateur qui dit c'est en fonction du résultat de l'élection puis au classé parti politique. Là, moi, je refuse. Et je refuse. Quelle est l'autre approche? Parce que, oui, écoute. L'autre approche, c'est ça réel que moi. Ya. Parce que faut que nous d'accord, ça crée les partis politiques dans le pays, ça crée les organisations politiques qui travaillent dans le pays. Ya.
Donc, l'homme regarde les partis qui sont dans l'opposition, voici les partis qui sont dans l'opposition. Et maintenant, je ne suis pas capable de prendre l'éducateur bon moyen parce que nous, quand on a une élection faite dans le pays, moi-même, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le prendre ça pour m'analyser pour vous. Pour l'élection 2015, là, où est-ce campé pour nous dire nous contre l'élection ça? Je ne vais pas le reprendre parce que je ne vais pas nous temps pour ça, mais fusion passe en pile misère oui, dans l'élection 2015. Ils ont tué les candidats, ils ont coupé les oreilles, ils ont fusion, ils ont battu les fusion. Donc, c'est comme si nous avions l'impression que nous étions cibles à abattre dans l'élection 2015. Là. Dans tout sens. Tout sens. Mm-hmm. Donc, je dis ainsi, je me suppose qu'il y a un rapport RNDDH, il y a un rapport qui doit parler de ça. Mais nous avons alerté l'opinion publique. Là. Nous avons écrit CEPA pour nous dire violence que nous avons subi. Alors, sur qui base, je subis toute bagaille ça là. Et pour le dire, je ça que moi-même, par rapport à Rome dans l'élection, et c'est ça que je fais, que je considère d'être comme un acteur véritable dans, non, en Haïti, nous beaucoup là. Mais est-ce que ça veut dire que je c'est une démarche. Je rejeter ou d'un revers de main. Oh, non, je n'ai, je, écoute, je ne vais pas rejeter personne. C'est haïtien mieux. Je suis capable de critiquer. On peut critiquer quel que soit, on peut critiquer un individu, on peut critiquer au mode de faire et d'agir, au mode et d'être en monde. Mais on peut critiquer le système politique, le système judiciaire qui est trop faible. On peut critiquer tout ça, me voulez. Mais maintenant, on dit, s'agissant de terrain politique, là, on n'a pas aucune solution, on grand monde capable de joindre pour continuer. Il faut faire ouverture et aller vers les autres. Et c'est pour ça que fait que sous tes documents, document direction politique l'a présenté la bas conférence de presse là c'est premier point oui mandat direction politique là c'est aller vers les autres convaincre les autres il faut qu'on se mette ensemble pour jouer une bout de crise là c'est ça nous dit dans direction politique et conjoncture n'a pas gardé à et je dis à madame Bozil m'attendre un ancien sénateur tant que Ronnie Modestin et qui a parlé de Maurice Jean-Charles. Et d'abord de Maurice Jean-Charles qui t'a parlé de où, d'abord de où même qui a parlé de Maurice Jean-Charles, d'abord de Maurice Jean-Charles qui a parlé de Nenel Kassi, moi ou tweet André Michel qui a parlé de secteur démocratique et populaire là, et donc lui-même Nenel Kassi, Majorie Michel, il va dans négociation, il va contre vous reste monde qui est dans le secteur, et où pensez ça yo, pas empêcher nous joindre un véritable consensus pour qu'on fait de route qui fait unanimité dans moins de 4 mois? Moi-même, moi j'étais quoi que qu'il y a une possibilité puisque déjà le secteur démocratique et populaire est présent dans la direction politique de l'opposition. Tout comme le secteur démocratique et populaire négocie. Je ne suis pas informé de cela dans la mesure où un peu que Jean Moyon qui prend la pour micro pour dire. Vous pas retweeté André Michel là. Matin? Oui. Non, au cas dit pour moi même pas toi. Monsieur Gon tweet dans tweet là, il dit que et gagné lui-même André Michel, Majorie Michel, Nenel Kassi, yo pas nan négocier pour joindre consensus avec gouvernement en place bon, là. C'est-à-dire que reste Mounio. Est-ce que tout, bon, de toutes les manières, m'a quitté un petit bémol sous lui, dans la mesure où, moi, dire que non, quelle que soit la famille politique, ça t'est passé là, quand même, on l'a, dans la fusion, nous résoudre lui. Ça s'arrange? Oh oui, nous jouons unité, nous, et cohésion interne. Okay. Et, m'te dit ça tout à l'heure, déjà, m'te parlé de lui, comment on apprend bientôt, non, deux ans et demi, pas bientôt. Deux ans et demi, c'est demain. Oui, c'est demain. On préparé le congrès pour renouveler la direction, et puis, madame, fini. Ok, moi, dit, depuis, je dis, à tout dit publiquement, pour si je suis candidat, je commence à faire campagne, madame, fini. Donc, et, moi, tandis, c'est vrai que, l'autant des paroles, division ça, paroles, déclarations, qui ont sorti plusieurs côtés, mais on dit qu'on lui a d'espoir tout. Pendant que les paroles ont parlé, mais ils se mettent ensemble pour créer une direction politique de l'opposition. Donc, je pense que si on bagaille pour me valoriser aujourd'hui, je préfère encore mettre en face, dire, mais pour qui ça nous a coûté en 2019, aujourd'hui, nous mettons une direction politique ensemble. Nous préférons privilégier ça plutôt, ou d'avoir oui, avec Marco. Du secteur démocratique. Oui, oui.
pas dit ça parce que pas quelqu'un l'autre qui dit son frange ou d'accord même pour qu'on gagne au monde qu'elle n'a parce que moi je suis sûr que au départ la personne qui a initié le processus qui a participé à la première réunion Zoom pour inciter nous à faire travailler ça c'était Evalier Beauplan. Donc c'est ceci pour me dire que pour entendre dans la radio il dit rien. Donc jusqu'à preuve du contraire, mais quoi que l'ina même démarche avec. Donc moi-même, je pense que si on t'a metté en phase, je dis à ou d'accord avec, pour dire que moi-même, on premier pas qui fait, vous allez vers l'unité, nous créer en direction ensemble malgré problème qu'on est qu'on est en 2019, on bat bravo pour ça. Non, bon, effectivement, nous battons bravo pour marcher contre avec le secteur démocratique. Là. Mais qu'on a tout, il y a l'autre problème, c'est que nous, à partir de conjoncture, là, je veux dire. Mais il y a des problèmes. Oui, mais je veux dire, comme si les petites dessalines, en face initiative, direction politique, là, ou bien en face marché contre, ou bien en bouche l'ouvrie, ou bien moi, je suis en bouche l'ouvrie avec Edmond Supplice Bozil. Donc, à 4 mois de fin mandat Jovenel Moïse, je nous dis là, donc, qui possibilité de gagner comme si demain matin, pour moi, dans la conférence de presse, Edmond Supplice Bozil avec Moïse Jean-Charles, pas dans la bouche l'ouvrir à personne. Je ne fais que rappeler conscience sociétaire. Et seulement ça, je ne fais pas dans la bouche l'ouvrir. Écoute, moi-même, je dis en politique, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'adversaire politique, mais je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Vraiment. Parce qu'un ennemi, on gagne des adversaires politiques et on gagne pour nous protéger société de toute dérive que nous prend habitude pendant nous gourmet contre dictature toute forme qu'elle qu'apprend et nous parfois confortable même si nous gagne même si nous gagne des monde dans mitan nous pensons que on pas capable faire démocratie à qui ouvre. Donc ça veut dire que faut que moi conscient pour me réveiller société. Je n'ai fait que réveiller la conscience de la société. Est-ce que le momentum n'a pas mal choisi? Non. Écoute, moi-même, j'ai... Bon, ouvrez, retournez sous même. Je ne vais pas parler de lui. Ouais, tout monsieur parle de lui. Je ne vais pas parler de ça. Mais tout simplement dit que... Moi-même, si on doit répondre au débat, moi... Ok? Ou exercer. M'exercer doit répondre convenablement. Et ceci, moi, avancer des bagailles. Et que moi-même, moi, quoi que t'es nécessaire pour société à qu'on est et pour société à tout, capable... Et des mondes construits, des partis politiques forts. Société a fait pour le réveiller. Nous, toutes couches qui sont dans la société, pour aider nous à gagner des modèles en de politique. Là. Des mondes qui prêchent par exemple, yo, qui d'accord fait sacrifice pour nous capables et renforcer la structure politique. Yo. Moi, c'est mon combat. Bien entendu, mesdames, capitaine de mieux, mesdames, vraiment, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de femmes. Et m'a salué Monique Kleska, qui font un gros travail, profitez pour me dire, qui font un gros travail dans l'enquête que le mené pour montrer que les médias n'ont pas de femmes, la parole assez. Donc, ou qu'à joindre une femme, venir sur plateau, yon radio, yon télévision, une fois par an. Et pas de quelle excuse qui pour dire que ces femmes n'ont pas disponible. Moi, je suis toujours disponible. Mais même maintenant, je suis toujours disponible. C'est pas ça? Donc, mais scoop de ma vidéo lui-même. Oh, moi, je viens sur plateau, scoop deux fois. Ouais. Deux fois pour année ça. Mais nous, toujours inviter tout le monde. Deux fois. Non, mais il faut inviter plus de femmes. Il y a des femmes. Non, mais il faut qu'il y ait plus de femmes qui prennent tête organisation. Oui. Et qui décident et prennent la parole. Tout. Mais non, pas mais même, Marco, ou même quand je dis qu'il y a plus de femmes qui prennent tête organisation, moi-même, je dis que. Et le patriarcat est tellement fort chez nous. M'a regardé environnement machiste tellement fort là car nous je me rappelle quand je devrais aller quand je me suis mariée en tant que j'étais déjà candidate à la députation mais quand je devrais me porter candidate après mon mariage, c'était toute une histoire. Donc ça veut dire que le garçon haïtien pour qu'on sentit que le cas rentré le nom démarche pour louer madame ni au devant de la scène ou même qu'a parlé non monsieur est certain que son compagne ou pas souhaité qu'on taouel compagnon qui était grand parti politique. Mais c'est que c'est la démarche à faire aujourd'hui pour nous gagner plus femmes qu'aller dans structure politique yo, et pour monsieur il va parler avec nous pour nous comprendre que pays d'Haïti pas qu'a changer monsieur si nous pas institutionnaliser l'espace politique et je pèse bien mes mots institutionnaliser et politique là ni à passer par là faut gagner des partis politiques qui sont institutions c'est pas des sigles majorité et monde qui parle dans l'élection yo utilisé un sigle yo utilisé un sigle et sigle ça il fait toute bagaille sauf
travail pour chita démocratie. Mm-hmm. Yo fait n'importe qui bagaille. Ça autant de grand pile bagaille qui sig là, y a font pile bagaille avec, y a pile bagaille les lui. Y a fait avec sig y aurait les partis politiques là. Faut qu'on ait ça. Vous n'étiez pas au parlement, les ont voté. Oh, j'ai introduit. C'est moi qui l'ai introduite mm-hmm. cette proposition. C'est moi. Mm-hmm. Je l'ai introduite au nom de la convention des partis politiques à l'époque. OK. Parti m'était très impliqué là-dedans et me portait le déracinement te qu'on dit Edmond dégage avec l'or là non. Déracinement te relé loi Edmond. Parce que c'est moi qui pouvais convaincre les sénateurs pour me supplier au vin dans la séance. Je me dis, tant pis, on vote avant d'aller en 2012. Maintenant, Goller de Racimon est à bout, lui dit, mais bon, résigne, quitte le passé, il y a un mois de l'autre. Parce que je me suis joué un sénateur qui était campé en quoi, en face proposition loi ça, qui te dit que et c'est démocratie, on seul monde qui doit camper, dit la fond parti politique. Et il n'y a pas trop de danger à côté que ou gen, si chaque indi, chaque sénateur, chaque député, chaque magistrat, chaque azek, mm-hmm. dit qu'il va mettre un parti politique, ou en a qui s'annouye. Et c'est pour ça que fait que moi, effectivement, je me suis jeté l'éponge. Je me dis, OK, on quitte l'eau à voter. Il y a charcuté, il y a le charcuté dans la chambre des députés, il y a dû la salle, je veux dire. Mm-hmm. Mais gros travail là, je me fais. Donc vous avez voté contre? Non, je n'ai pas voté contre loi. Je n'ai pas voté contre loi. Parce que l'aime fin voter, il y a le chacuité dans la chambre des députés, mais elle retourne en battant de guetter aller. Ah, ok. Elle retourne pour faire vote final. Elle retourne à 20 mounan. Ah, en battant. Le retour, vote final là, je n'étais pas là. Donc, moi, vote final, parce que là, la chambre des députés a changé. Il faut lui voter dans le Sénat. Donc, moi, pas là. Donc, moi, dit que il y a nécessité pour revisiter loi ça sous parti politique là. Et même, je me demande si depuis une révision constitutionnelle là nous pas de joindre moyen pour que nous et by des directives claires sous quelqu'un qui t'a dit nous pas trop dans trop détail parce que constitution haïtienne mm-hmm. déjà trop détaillé mais moi quoi que m'a demandé parce que si nous voulons mettre base pour institution démocratique qui prend pied faut que nous gagne des partis politiques forts dans niveau direction politique là et nous gagne dans agenda nous et là pour nous rencontrer des structures d'un coup petite de Saline famille Lavalas la paix Nadi, RDNP, ensemble des partis politiques qui sont représentatifs en d'un pays, pas en d'un direction. Donc, pour ça, nous ne pas le présenter à faire unanimité, je pense qu'il faut que nous allions vers Mounjayo. Pendant que nous disons quitter la porte là ouvre, je pense qu'il faut aller vers eux-mêmes. Oui. Hier, dans la réunion, hier, là, nous prenons une décision pour nous faire une retraite. Mm-hmm. Et il faut nous faire une retraite là pour que le document que nous travaillons sous lit pour sortir de crise là, pour dans nous-mêmes, dans neuf partis politiques, nous sommes d'accord net avec le document ça pour nous signer entre nous. Donc, ça, c'est une démarche que, de manière objective que nous avons tête nous et nous lister toute organisation que nous devons rencontrer. Yo. Donc, ces partis, ces organisations politiques et des organisations de la société civile. Nous avons déjà des organisations de la société civile que nous avons travaillé avec eux, mais maintenant, nous avons l'autre que nous lister. Mm-hmm. Et matin, nous avons échangé sur le groupe WhatsApp direction créé et nous avons décidé que nous, au plus vite, faut que nous gardions, est-ce que c'est par lettre qu'on a fait, et gagner l'autre monde qui dit, plutôt de respecter les démarches que nous avons dit. Nous avons baillé tête nous hier là, plutôt cette démarche à savoir, en nous structurer nous d'abord. Parce que il y a un pile dans nous qui gagne des personnalités qui occupaient, moi m'occupais en tant que président de la fusion. Mm-hmm. Donc, on nous structurait tête pour nous garder, est-ce que par exemple, d'autres dirigeants, d'autres dirigeantes en d'un parti yo, qui prennent des responsabilités pour que yo, c'est permanence. Pour 4 mois à Paléa, c'est la permanence. Mm-hmm. Donc, pour nous garder, pour que si yon pas là, si deux pas là, qu'on ait que guette de l'autre qui a remplacé. Donc, c'est dans ce sens ça fait que nous pral d'abord fin fait travail ça, et ensuite aller vers les autres. Mm-hmm. C'est ça, moi, j'ai besoin. Bon, et pour me répondre à la préoccupation, mm-hmm. oui, nous allons vers les autres. Oui. Bon, et nous allons finir, et Mme Bozil, et dans l'émission pour après-midi. Et bon, en plus, mon attend qui sa direction politique là pour le bail comme résultat. Puisque, vous avez dit, fois nous applaudir, mais en plus, mon applaudir. Et, pas forme de ça tout, il y a toujours applaudi dans différents médias, aux journalistes, il y a toujours applaudi. Oh. Les gains des structures politiques qui choisissent mettre ensemble, démarches. Les gains des marches qui fait comme ça. Au contraire, ça nous toujours critiqué, c'est à chaque fois nous faisons une initiative, nous faisons barrer comme ça, et puis après ça, quand il y a élection, chaque groupe fait bon bayo, et puis nous allons à l'élection, nous perdons l'élection en bouvi red, et puis après ça, nous tombons dans le même problème nous encore. Et bon, ou d'où par contre qui possibilité de gagner, ou d'où tu as bien aimé que nous avons un leader, nous avons un candidat unique.
en direction politique là, mais ou pas qu'à dire ça comme ça. Non, puisque... non, oui, pas qu'à dire comme ça, parce que mm-hmm. c'est pas un débat ça pour qu'on fait dans le temps, nous. Mm-hmm. Mais seul ça me croit que m'capable porter devant la presse pour me dire voilà, devant l'émission, pour me dire oui, document que nous signons qui public, qu'on gagne en mon quand même, la déclaration du 20 juillet, point 4 là, si mémoire est bon, dit nous prenons travail et nous prenons engagement pour nous contribuer à réduire le nombre de partis politiques qui pour participer dans l'élection. Si nous prenons engagement ça, soit sous forme de plateforme et soit tout sous forme de parti politique qui élargit, qui vient ou élargit basé ou vient un plus gros parti politique. Moi-même, je souhaitais chaque jour, je dis, dès qu'on dit la fusion, pour me dire que moi-même qui est président fusion, c'est vrai que je n'ai pas les derniers mots en tant que président du parti. Il y a le directoire, mais toujours qu'on a fait plaidoyer dans le directoire fusion, pour me dire que si il y a l'autre parti politique qui voulait faire fusion plus large, mais moi-même, t'as souhaité que dans le directoire, nous d'accord, pour nous ouvrir, pour nous faire on l'autre parti politique. Mm-hmm. On l'autre parti avec tout ça nous représenter, avec d'autres. Parce que fonctionnement au parti politique, Marco, au parti politique réel dans le pays, m'a regardé matin, m'a levé, m'a fait et m'a prélé responsable administrateur dans le bureau, hein, qui a dit que nous, guettant 20 octobre, il faut préparer payroll septembre que nous allons payer. Mm-hmm. Donc, la rappelé, m'a dit est-ce que je regarde le budget? Je dis oui, je vois le budget. Mais ouais, budget, mais qu'est-ce nous vide? Qu'est-ce nous vide? Donc, qu'est-ce nous vide? Donc, en tant que parti politique, en tant qu'institution, il faut faire face à des responsabilités. Et pas gagner aucune instance dans le pays hein, qui comprenne que cette institution, c'est base, bon fonctionnement de l'État, parti politique. Là. Pas qu'il y a monde qui est d'eau. Mm-hmm. C'est vrai que il y a mon cap dit ah bon ou pas qu'a dit ça parce que son exemple c'est vrai que fusion son exemple un modèle qui a dit que à un moment X de la durée nous t'es passé dans un pile radio nous fait porte ouverte on a pu acheter ce local pour la fusion avec des donateurs il y a mon qui paye $1 mais il y a mon qui paye 10 il y a mon qui paye 25 plus comme mon argent était $25,000 américains mais il y a mon tout te paye $1 donc et tout comme ça permettre que n'acheter local que nous avons là aujourd'hui maintenant ça on part mais aujourd'hui pour fonctionnement m'pas besoin de moun yo ka permettre que moun bien mais yo pas besoin de moun ka financer fonctionnement et m'pense que jodi a même ta content si gen moun ka tande nous qui croit que gen un bagage qui pour changer dans pays a c'est moun qui croit que élite politique là li gon responsabilité dans construction démocratique là si gen moun qui croit que ou pas capable gagner des institutions fortes des institutions démocratiques républicaines fortes un parlement, un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif fort. Bon, je n'aime pas utiliser le mot pouvoir exécutif fort là, parce que ça amène. Ça amène non. Oh, la même chose. Ça ne paraît pas. Non, ça ne paraît pas. Et parce que oui, puis on parlait de institution forte. Mm-hmm. On même parlé de un pouvoir stratège, un pouvoir stratège qui connaît que il faut toujours privilégier le dialogue, rechercher le consensus suffisant pour à la manière de Mandela pour diriger, aller vers les autres toujours paf bouche et oreilles ou avec béton, comprendre qu'on gain faiblesse pas ou pas qu'à aller surtout sur gain faiblesse réelle ou pas qu'à gouverner en l'état ou pas gain et répondons pour gérer l'état, il faut aller vers les autres et c'est ça que pouvoir ça pas comprendre qui fait que nous dans ça nous là je veux dire. Bon, n'a fini m'a prendre un exercice extrêmement difficile une bonne surprise Brésil. Et faut que nous allions vers les autres. Direction politique là, faut aller vers l'autre parti politique. Yo. Mais je vous dis, il y a tellement de chirépite dans ce secteur, il y a des partis politiques ou d'amando qui ont une direction politique là à faire pour arriver sur eux. Je vous donne un message à Moïse Jean-Charles. Bon. Dis-le un bagage qui permet que les directions politiques là arrivent sur lui. Pour ne pas mentionner qu'il y a un problème avec Edmond ou Edmond problème avec. Bon, si lui-même dit qu'il y a un problème ensemble, c'est pour lui. Bon, tout simplement, même message, ça m'a dit Moïse Jean-Charles. Mm-hmm. Même Jean-Tom m'a dit, ça m'a dit Moïse Jean-Charles là et ça m'a dit famille Lavalas. Et peut-être que tout ça m'a dit sous lui déjà, yo, c'est pas, m'a inventé rien. Mm-hmm. M'a inventé rien. Et m'a pensé que lui connaît tout, que m'a inventé rien. Et m'a dit rien mal. M'a dit rien mal, m'a dit m'a des faits réels. Mm-hmm. Ok? Maintenant, moi-même, je pense que ma planche appelle ça, pas pour le monde, pas pour lui même seulement. Ma planche pour famille Lavalas, ma planche pour l'autre parti, peut-être que. PHTK. Non, non, non.
PHTK, m'a lancé pour le front, pas famille Lavalas. Mais là, on fait des ordres. Non. Il y a un pôle politique constitué entre famille Lavalas et d'autres. Entre Forum Papaye et Famille Lavalas. Et Forum Papaye, puis là, j'ai gagné plus de poids là-dedans. Donc, j'ai gagné le Forum de Papaye et Famille Lavalas. Donc, je m'a lancé, peut-être même appel Sabayo pour me dire que dans les 4 mois qui nous restent, nous autres partis politiques de l'opposition, nous connaissons que Genario, tout qui est dans l'opposition réelle, vraie, et nous avons demandé pour que nous, le nous écrions, pour nous répondre, depuis qu'ils ont senti qu'ils sont en opposition réelle, faut qu'ils répondent nous pour que nous chita ensemble, pour nous capables de faire une réponse à période, dans 4 mois, pour nous faire une réponse appropriée, pour nous capables de vivre dans la transition de rupture que nous avons parlé de l'IA. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci. Amen. Merci. Merci encore. Merci à auditeurs et auditrices. D'accord. Et merci à téléspectateurs, téléspectatrices. Moi, je crois que nous avons passé un bon moment ensemble. Nous lançons plusieurs appels. Là. Ah oui. Nous lançons appel à ouverture, nous lançons appel à capacité nous pour nous prendre un recul, pour que nous mettions Haïti devant. Et nous lançons appel à remplir à femmes pour nous dire femmes impliquées davantage dans la politique. Là. Nous lançons appel pour nous dire que le dialogue national, c'est avec tout le monde. Et nous lançons un ultime appel à Jovenel Moïse pour respecter la Constitution, pour faire une déclaration solennelle pour dire que je suis conscient que Jean-Pierre a parlé à la. Il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Et j'accepte de respecter la Constitution. Je me suis prêté serment sous lit et je parle le 7 février 2021. Si vous dites ça, Jovenel Moïse, en avant, on va préparer votre sortie. Bonsoir tout le monde. Rendez-vous demain pour l'autre émission Haïti Débat.